Sur le territoire de la Chine, ce lieu est le dernier à accueillir le soleil et le dernier à embrasser la nuit. Son nom est le Pays des Montagnes. Au pied du mont Moustar, le père des montagnes de glace, à l'est du massif du Pamir, l'épopée de Manas est chantée depuis un millénaire. De génération en génération, les habitants gardent la porte ouest du pays et conservent les traditions héritées des ancêtres. Dans ce monde qui évolue, ils poursuivent leurs rêves, leurs passions. Ils sont aussi fermes et aussi profonds que les montagnes. La préfecture autonome kirghize de Kizilsu se situe à l'extrémité ouest de la Chine. Dans ce pays des montagnes, la légende contemporaine est en train de s'écrire. Cette statue, dressée à la préfecture autonome kirghize de Kizilsu, dans la région autonome ouïghour du Xinjiang, montre une image solennelle de l'ancêtre des Kirghizes, Manas. Aujourd'hui, ce nom désigne plus couramment l'épopée de Manas, qui raconte l'histoire de la nation kirghize. La version connue en Chine compte 8 volumes, 230 000 vers. La première partie raconte la légende de Manas, héros kirghize qui dirigeait ses tribus à la poursuite d'une vie heureuse malgré les difficultés et les dangers. C'est pour cela que l'on eut pour intituler l'ensemble de l'épopée. Manas est le nom de l'héros. Il s'appelle Manas. Et sa taille est grande. Par exemple, 为了自己的家乡，为了自己的人民，团结起来，共同抵御这个外来的侵犯、入侵，这个追求这个和平、安宁、和谐生活、幸福的这样一个过程。 Les 8 volumes de l'épopée de Manas, en commençant par le héros de la première génération, Manas, qui unit les différentes tribus dans la lutte contre la domination des étrangers, nous racontent les peines et les joies, les séparations et retrouvailles de 8 générations de Kirghizes. Aujourd'hui, les Kirghizes sont toujours passionnés des chants sur l'épopée de Manas. De l'aube au crépuscule, ils peuvent chanter pendant 5 à 6 jours et nuits. Les vers rimés et les gestes qui les accompagnent résident toute l'histoire des Kirghizes. Ils nous racontent l'origine de cette nation, ses traditions et coutumes, et sa philosophie de vie dans ce monde. Dans l'épopée de Manas coule l'esprit des Kirghizes. Provenant, elle prospère sur cette terre actuelle. Un matin d'août, avant l'aube, au canton de Tougourmeti, ville d'Atouche, préfecture autonome kirghize de Kizilsu, chez Adildian, beaucoup de gens sont rassemblés.
Aujourd'hui, sa fille, Beit Gul, va se marier. Pour accueillir les invités et organiser une noce magnifique à sa fille, Adil Diang va tuer deux moutons et préparer un grand banquet. Les moutons sont le bétail le plus précieux des Kirghizes. Ils font aussi partie des meilleurs mets offerts aux invités. Tuer deux moutons gras montre bien la joie de la famille d'Adil Diang et leur accueil chaleureux aux invités. Les Kirghizes sont un peuple avec une longue histoire. On peut trouver des informations sur leurs ancêtres dans beaucoup de livres et textes anciens de Chine. Sous la dynastie des Qing, les Kirghizes étaient nommés Burut, qui veut dire « habitants de la montagne ». En 1935, la province du Xinjiang de l'époque a donné à cette ethnie son nom officiel, Kirghize. Toujours en usage jusqu'à présent, ce nom signifie « les nomades dans la montagne » en langue kirghize. Habitants de la montagne ou nomades dans la montagne, ces noms reflètent l'environnement géographique où vivent les Kirghizes. La préfecture autonome kirghize de Kizilsu est une région à l'extrémité ouest de la Chine. Située dans le Xinjiang, sur le Pamir, elle est entourée par les monts Tian Shan au nord, Kunlun au sud et le bassin du Tarim à l'est. Plus de 90% de son territoire est montagneux, ce qui lui a valu le titre de pays des montagnes. Le mont Moustar, 7546 mètres, est nommé père des montagnes de glace. Cette montagne sublime et majestueuse est la montagne sacrée pour les locaux. Selon la légende, dans l'Antiquité, une belle princesse de glace habitait sur le mont Moustar. Son amour avec le prince des montagnes de neige était à l'encontre de la loi. Très fâché, le ciel a transformé le prince en un mont de glace. Sombrant dans la tristesse, la princesse baignait tous les jours dans les larmes qui se sont réunies dans les nombreux glaciers. On ne peut pas justifier cette légende bien qu'elle soit belle et mélancolique. Dans la vie réelle, sur le territoire de Kizilsu, les histoires d'amour des gens ordinaires se racontent tous les jours. Ces histoires sont peut-être moins intéressantes que la légende, mais les amoureux n'ont pas besoin de faire face à trop de vicissitudes pour obtenir leur bonheur simple, mais réel. La maison d'Adil Diang est remplie des parents, amis et voisins qui sont venus de bonne heure pour assister à la noce. Ici, il y a un proverbe connu par tous. L'hospitalité chaleureuse est l'or des Kirghizes. Aujourd'hui, pour le mariage de sa fille, la famille d'Adil Diang présente leur plus grande chaleur. Les invités ont déjà goûté des plats de mouton, de riz pilaf, des yaourts faits à la maison et des fruits locaux. Quand la famille et les amis de la nouvelle mariée commencent à se ranger devant la porte, on sait que le nouveau marié va bientôt arriver. Au cours de la cérémonie de fiançailles et celle de noces des Kirghizes, une pratique est indispensable. La famille de la nouvelle mariée doit jeter de la farine sur le nouveau marié et sa famille pour leur souhaiter bonheur. Cela signifie aussi que celui-ci sera pur comme la farine blanche. En ce moment, la nouvelle mariée, Beit Gul, accompagnée par sa famille et ses amis, attend l'arrivée du bonheur. Pour les Kirghizes, le mariage est un moment important. Il faut tenir une cérémonie animée et splendide qui peut durer 3 jours, voire plus. Mais vous ignorez peut-être que pour cette occasion, à part le nouveau couple, leur famille et amis,
quelque chose d'important doit aussi être présent. Sinon, la cérémonie est incomplète et la famille hôte est méprisée pour son manque de soins. Lorsque le banquet bat son plein, l'hôte introduit sans retard le rôle essentiel du banquet, Naren. Naren n'est pas une personne, mais un plat spécifique au Xinjiang. On cuit des nouilles dans un bouillon de mouton, cheval et bœuf, puis on coupe la viande en morceaux pour la mélanger avec les nouilles. On mange Naren avec les mains. Avec sa présence au banquet, l'hôte remplit tous ses devoirs. Après avoir dégusté Naren, le banquet de noces touche à sa fin. Les chants et les danses commencent. À Kizilsu, pays de chants et de danses, la musique ne s'arrêtera jamais. L'Olong est un patrimoine spirituel des Kirghizes, aussi connu que Manas. Il remonte à plus de 1000 ans. Jusqu'ici, les chercheurs et les maîtres folkloriques ont recueilli plus de 800 chansons d'Olong d'une dizaine de types différents. Par rapport à l'épopée de Manas, renommée pour sa grande ampleur, l'Olong est plus varié et plus proche de la vie quotidienne. Ces contenus concernent des conseils au mariage, la réception des invités, des énigmes, etc. Outre sa valeur artistique, sa valeur pédagogique est aussi une raison forte de son existence. Mehmet Emin Mehmet est un grand maître d'Olong du canton de Kiziltar, du district d'Aktu. Dans quelques jours, le village va organiser un spectacle d'Olong. Les élèves d'Emin Mehmet sont venus de bonne heure chez leur maître pour les répétitions. Normalement, Emin Mehmet examine une fois par semaine les exercices de ses élèves. Ces derniers temps, puisque le spectacle approche, il fait ce travail tous les matins. Өлөң салты болса бүт кыргыздын өзү узун жылдан ягы өз халык өзүки адабият санаты болуп эсептелип келген бир салт. Бул өлөңдү биз бу кадимден айтылып келгенде ошо уул кыз тоюн алып барган вакта чоң чогулдуштар болгондо айтып адат болуп келген. Муну ошо шунун ягы муну колдонуп келип жатабыз. Азыркы уланып келди. Өлөңдү бу кыргыз өлөңү узун жылдык тарыхтарга ээ, узун жылдан аягы айтылып келген кыргыз салты болуп, бу өлөң айтылышта мурун адамдар аз бактарда адамдар чогулуп, мындай чоң жыйындар ачылбагандыктан мындай той, кыз тоюн асас кылып тойлордо чоң чогулуш болгондо ошол мезгилде мунуга айтып адат болуп келген. Муну уул тарап, кыз тарап болуп айтат. Шону менен өлөң шонун адаттанып келген. Après avoir donné des instructions à ses élèves, Emin Mehmet, sans déjeuner, s'est précipité chez une personne importante qui est aussi un chanteur d'Olong. Bien qu'Emin Mehmet soit lui-même un maître, le chanteur à qui il va rendre visite a une technique qu'il ne maîtrise pas. On dit souvent qu'un bon ouvrier doit avoir de bons outils. Pour bien chanter l'Olong,
un komuz de grande qualité est indispensable. L'homme qui joue du komuz avec Emil Mehmet s'appelle Tourdi Higesh. Il est à la fois chanteur de long et un excellent fabricant de komuz. Il y a plus d'un mois, Emil Mehmet a commandé un nouveau komuz chez Tourdi Higesh pour le prochain spectacle. Le komuz, instrument ancien. Au début, il était nommé kowoz, qui veut dire bel instrument. Il est en bois de sapin rouge, avec un corps ovale et un manche mince et long. Instrument traditionnel de la musique folklorique dans l'Antiquité, il pouvait aussi accompagner un tambour de guerre, nommé dobulbas, pour encourager les soldats. Les Kirghizes ont un proverbe. Celui qui accompagne ta naissance et ta mort, un komuz. Sous la dynastie des Tang, les ancêtres des Kirghizes ont offert cet instrument à l'empereur Tang en tribu. Plus tard, le gouvernement Tang l'a offert au Japon en tant que cadeau national. Instrument essentiel du chant d'olon, le komuz varie selon 7 à 8 types différents, dont le plus ancien est à 3 cordes, fabriqué en bois et couvert de cuir. Le komuz en bois à 3 cordes que Tourdi Higesh fabrique pour Emil Mehmet est un komuz perfectionné qui s'appelle Yakshi komuz. Un komuz de la meilleure qualité nécessite des procédés comme la sélection des matières, le formage, le lissage, la mise en place des cordes et enfin l'ajustement. Aujourd'hui, ce komuz n'est pas encore achevé. Tourdi Higesh dit à Emil Mehmet d'attendre avec patience. Les élèves d'Emil Mehmet ne sont pas que de jeunes chanteurs. Ils donnent aussi un cours hebdomadaire d'olon à l'école primaire du canton. Ce qu'il maîtrise le mieux, c'est le chant d'olon. Mais ce qui lui tient le plus à cœur, c'est sa transmission. L'olon se chante depuis un millénaire chez les Kirghizes. Différent de l'épopée de Manas, il aborde plutôt la vie quotidienne. Comme la parole d'une mère qu'on écoute et retient, l'olon adoucit le cœur de tous les Kirghizes.
Les Kirghizes sont très doués en chant et en danse. Manas et Olon, en dimensions différentes, documentent l'évolution et la transmission spirituelle de cette nation. Ces objets, exposés au parc des Kirghizes, racontent son histoire millénaire d'une autre manière. Cette nation, vivant à dos de cheval au pays des montagnes, est épargnée du froid extrême et des tempêtes de neige qu'affrontent les nations vivant à des altitudes plus hautes. Mais elle ne possède pas non plus le vaste territoire de steppe. C'est dans ce contexte historique et ces conditions géographiques qu'a été créée une culture originale des Kirghizes. Ici, on fait la répétition pour la cérémonie d'ouverture de la rencontre sportive annuelle des paysans du district d'Akshi. L'événement aura lieu dans quelques jours. Des paysans venant partout du district vont participer aux compétitions de bouskashi, de courses de chevaux et de dressage d'aigles. Le canton de Sumtash du district d'Akshi est appelé le canton des aigles de la Chine. Les Kirghizes ici pratiquent le dressage d'aigles depuis un millénaire. Moussabeg Adil vient de la plus célèbre famille de dresseurs du district. On appelait son père le roi des aigles. Après le décès de celui-ci, son fils aîné, Moussabeg, est devenu l'héritier le plus important des techniques de dressage de sa famille. L'hiver dernier, quand on l'a rencontré, il était en train de dresser des aigles nouvellement conquis avec ses amis. Avant, comme l'élevage, le dressage des aigles et la chasse étaient aussi des compétences de base des Kirghizes. Selon Moussabeg, fils du roi des aigles, le dressage vise à établir une confiance mutuelle et une interdépendance entre l'homme et l'aigle, tout en garantissant la domination de l'homme. Ce processus est une épreuve de force physique, de détermination et d'harmonie entre l'homme et la nature. Aujourd'hui, la loi protège l'aigle et la technique traditionnelle de dressage d'aigle. Chaque dresseur doit passer une vérification d'identité stricte pour avoir un certificat de dressage légal. Moussabeg nous dit aussi que leurs aigles ont tous été capturés en plein champ avec des pièges quand ils avaient 2 ou 3 ans. Différents des chevaux, les aigles ne peuvent pas demeurer dans un endroit pour toujours. Le ciel est leur royaume. Seul le vol leur assure la dignité. Ainsi, une règle absolue est-elle établie entre les dresseurs et les aigles. Chaque aigle sert son maître au maximum 5 ans avant qu'il ne soit relâché dans la nature. Aujourd'hui, le fils du roi des aigles n'apparaît pas avec son aigle à la répétition. Star incontesté du dressage d'aigle, il ne se présentera pas avant le moment le plus important. Pour les Kirghizes de Kizilsoud aujourd'hui, l'utilité pratique du dressage tend à disparaître, mais il reste un symbole spirituel. Cette technique traditionnelle montre la passion et le courage qu'ont les Kirghizes de Kizilsoud pour réaliser leurs ambitions, voir le monde et accueillir l'avenir. La soirée du Nouvel An chinois de CCTV est une fête annuelle pour tous les Chinois du monde entier. Pour Réangou Limir,
kirghize ordinaire venant du canton de Ujm, de la préfecture autonome kirghize de Kizilsou, c'était comme un rêve de pouvoir exprimer en personne, sur la scène de la soirée 2015, ses voeux du nouvel an aux téléspectateurs du monde entier. Selon elle, tout vient de la décision qu'elle a prise il y a 8 ans. Ne se résignant pas au travail de nettoyage, Réangoul cherchait un sens à sa vie. En 2007, elle a été informée de la nouvelle que le gouvernement local allait fournir à des filles d'ethnie minoritaire l'opportunité de travailler dans l'arrière-pays. À l'époque, pour la plupart des gens vivant dans les villages isolés, travailler à l'extérieur n'était pas une chose facile. Surtout pour les filles. Elles rencontraient d'incroyables obstacles et pressions si elles voulaient se rendre au monde extérieur. Mais Réangoul a quitté sa maison malgré l'opposition de sa famille et des villageois. Pour les filles qui sont venues travailler pour la première fois des milliers de kilomètres de chez elles, la langue constitue souvent le premier obstacle. Chaque soir, à l'aide d'un dictionnaire ouïghour chinois envoyé par son père, Réangoul apprenait le chinois pendant au moins 2 heures. Elle s'appliquait aussi à perfectionner ses compétences professionnelles. En moins d'un an, elle fut promue responsable des employés d'origine du Sinaï. Pour aider plus de monde, Réangoul est retournée dans son village avec l'idée d'aider les jeunes filles locales à travailler dans l'arrière-pays. Mais au début, elle a rencontré pas mal de difficultés. Quelques années après, Réangoul s'est aperçu que les travailleurs migrants rencontraient souvent des dilemmes face à des questions telles que le mariage, les soins aux parents et l'éducation des enfants. Réangoul, qui ne piétine jamais sur place, s'est rendu compte que faire sortir les villageois n'était pas une solution pour le long terme. Il faudrait ramener l'usine au Xinjiang. «
Voici une grande usine textile en cours de construction dans le district d'Aktu, Changlin Textile. En tant que vice-directrice, Réangoul vient souvent ici pour s'informer du progrès des travaux. La mise en place de la première partie de l'usine procurera 300 à 400 emplois aux locaux. Une telle envergure est rare, même dans l'ensemble de la préfecture de Kizilsu. Les travaux de base touchant à leur fin, on commence la formation des ouvriers et la mise en place des équipements. Réangoul surveille l'usine encore plus attentivement dans tous ses détails. Cette fois, à peine revenue de déplacement, elle est allée directement à l'usine pour organiser son travail avant de rentrer chez elle. Désormais, outre vice-directrice de l'usine, Réangoul est aussi députée à l'Assemblée populaire nationale. Occupée par le travail, elle rentre rarement chez elle voir ses parents. La treille montée lors de son dernier séjour à la maison est déjà chargée de raisins aujourd'hui. Chez Réangoul, ses parents ont arrangé une salle d'honneur pour leur fille. Les divers certificats et médailles exposées retracent la voie du succès de Réangoul, optimiste, naturelle et distinguée, qui n'était au début qu'une simple ouvrière migrante d'ethnie minoritaire. Rentrée chez elle, Réangoul peut enfin mettre de côté le travail pendant un moment pour goûter au bonheur de retrouver ses parents. Ses deux frères, qu'elle n'a pas vus depuis longtemps, sont aussi rentrés à la maison. Tout le monde se plonge dans les tendresses de la famille. Région importante de commerce frontalier de la ceinture et la route, la préfecture autonome kirghize de Kizilsu avoisine 6 pays avec une frontière de 1133 km de long et 254 cols vers l'étranger. C'est une porte importante du centre de la zone économique de la route de la soie, un point capital du corridor économique sino-pakistanais et un passage essentiel entre le sud du Xinjiang et l'Occident. Sur Noix, la frontière de la préfecture de Kizilsu est la dernière à accueillir le soleil et à embrasser la nuit. Il y a environ 4 heures de décalage horaire avec les régions littorales du sud-est. Sur la longue ligne frontalière, outre les glaciers, les montagnes et les vastes étendues désertes, on trouve aussi des pierres sur lesquelles est gravé le mot « la Chine ». Elles sont œuvre d'une vieille kirghize, Bujumaran. Ministre,
диган сыкраманга эмиш. Баскан катамын сайын бар. Таштын эсебин деле билбей калдым. 19 ман тартып, ташты деле жазып келейтем. Ушул тегерендиле коргоп келейтем. Анан өзүм өзүм касам бергем, өлгүчө бир кашык каным калгыча, мен ушу тегерени каргойм деп тегеренин үстүндө отуруп алып ошондой кылган. Boujoumaran Moldo est une garde ordinaire du commissariat frontière de Digen, de la division de la préfecture de Kizilsou, de la brigade générale de défense frontalière du Xinjiang. Depuis plus d'un demi-siècle, elle grave sur d'innombrables roches le long de la frontière. Les Kirghizes sont les gardes de la frontière du pays depuis l'Antiquité. Cette mémoire historique reste dans le sang des Kirghizes contemporains. Maintenant, les trois fils et les deux filles de Boujoumaran sont aussi des gardes de la frontière. Ayant dépassé les 70 ans, cette femme kirghize continue à remplir de toutes ses forces son devoir de garde sur ce haut plateau de plus de 4000 mètres d'altitude. Comme les conditions sont beaucoup améliorées, maintenant Boujoumaran travaille surtout à prendre soin des soldats basés à la frontière. Elle est la personne préférée de ces derniers qui adore ses divers plats délicieux.每到八一、十一春节，正大节日期间，老大妈都是来连队看望慰问连队官兵。第二一个就是每年我们远山口巡逻的时候，老大妈都把自己家里的被褥洗一遍，把我们安排到最好的房间里住，让我们巡逻战士感受到家的温暖。 Les soldats se succèdent les uns après les autres. À chaque poste de frontière du canton de Digen ont été laissées des traces de pas de Boujoumaran. Elles témoignent du va-et-vient de ces jeunes soldats qui viennent défendre la frontière à Kizilsou et rentrent chez eux quelques années plus tard. Après cette visite à la compagnie, de retour chez elle, Boujoumaran se remet au travail. Dans quelques jours, la padra loger chez elle. Elle doit préparer pour ses enfants, dit-elle. Fin été et début automne, le berger Mamet revient dans sa maison de la campagne. Il doit examiner son stock de foin et préparer le retour de ses moutons du pâturage estival où il les a déposés. Les Kirghizes, qui sont un peuple nomade, vivent autour des eaux et des herbes. À partir du XVIe siècle, les tribus ont développé leur mode de vie nomade dans la partie ouest des monts Tien Shan et les vallées et bassins du Pamir. Mamet,
a mené pendant longtemps une vie nomade avec ses moutons dans les vallées montagnardes. Mais pour lui, ce n'était pas une expérience très agréable. En 2003, la mère de Mamet est tombée malade. À l'époque, pour aller à l'hôpital du district, il fallait 3 à 4 jours. En cas d'urgence, on n'y pouvait rien. Ainsi, Mamet et sa famille ont-ils quitté le pâturage montagnard et construit cette maison près du chef-lieu du district. Aussi, cette année-là, la région pastorale de Kizilsou s'est mise à populariser la stabulation hivernale qui épargnait aux éleveurs les problèmes durant le pâturage nomade hivernal. Soutenu par le gouvernement, beaucoup d'éleveurs se sont tournés vers la plantation en serre, grâce à laquelle l'auto-approvisionnement des légumes de la région est réalisé. Nourri d'un fort esprit commercial, Mamet avançait encore d'un pas. Mamet ouvre un magasin au chef-lieu du district. Ce magasin, bien que petit, a une grande variété de marchandises, des articles d'usage courant jusqu'aux outils de culture et d'élevage. Près d'ici se trouve le nouveau village d'Aïboulak, village modèle pour la sédentarisation des éleveurs. La famille de Mamet s'y est aussi installée. Situé dans le sud du district d'Ouloutchat, le village d'Aïboulak est l'une des 6 agglomérations des éleveurs sédentaires. Depuis 2010, grâce à l'intégration des ressources, plus de 36% des éleveurs du district d'Ouloutchat sont devenus sédentaires. Mais ils n'ont pas abandonné pour autant leur métier traditionnel. La popularisation des techniques modernes d'élevage et des politiques de soutien vont leur créer un plus grand espace de développement. Sur le territoire de la préfecture de Kizilsou, le chant de l'épopée de Manas et le long continue. La défense et le respect pour les traditions ethniques ne changeront jamais. Les habitants du pays des montagnes élargissent leur horizon et ouvrent leur esprit. Sur une voie toute nouvelle, ils sont en train d'écrire une légende contemporaine.